Hello, welcome les amis, on se retrouve sur Long Night. Et oui, ça fait un petit moment quand même que je devais le faire ce let's play, mais bon, j'avais pas les moyens de me l'acheter avant, même si le jeu est sorti en juillet. On va pas se cacher, alors attendez. Plus vite, je dois aller plus vite. Utiliser RT ou RB pour sprinter, d'accord. Ok, là je sprint. Et du coup, oui, donc oui, évidemment j'avais déjà fait la démo, mais elle est oubliée, hein, vraiment, faut l'oublier. Je suis déjà épuisé, hein, je dois continuer de courir pour échapper à cette obscurité. Relâcher régulièrement RT ou pour ne pas souffler, vous essouffler trop vite. Ok, donc on relâche, et on recoupe, et on relâche, et on recoupe, et on relâche, et on recoupe. Je pense que ça devrait le faire comme ça. C'était quoi tout ce délire, et pourquoi fait-il aussi sombre? En plus, les autres ont disparu, ils se sont sans doute réfugiés au chalet des 4. Bah d'accord, bon, on va voir, hein, si c'est ça. Eh oh. Eh oh. Plus les autres sont... Oui, alors, j'aimerais bien continuer, le jeu. Il se passe quoi là? Il n'est pas question de quitter le camp et d'abandonner les amis. Putain, mais je vois rien. Ah, appuyez sur X pour utiliser le briquet. Ah d'accord, ok, très bien. Ah, le briquet qui éclaire vraiment beaucoup. Hein. Je peux courir avec? Je ne peux pas courir, très bien. Je crois que je vais augmenter un peu la luminosité parce que c'est vrai qu'on voit que dalle. Hein. On va bien voir. Ah, de la lumière. Alléluia. Je me rappelle dans la démo en tout cas, il y avait. Ça commençait pas comme ça. Mais de toute façon, je sais plus si c'était le début du jeu ou pas. Long Night. Il y a écrit quoi? Long Night Camp. Long Night Camp.
Ok, très bien. On peut continuer à marcher, merci. D'accord, c'est des traces de pneus ou des griffes? C'est des traces de pneus, très bien. Si je continue par là, je ne peux pas, je parie. N'est-ce pas? Je fais quoi là? Je peux faire comment pour interagir avec ça? Eh oh! Le portail est verrouillé, d'accord. Donc c'est A. Je joue avec une manette. Je suis sur PC, hein, mais je joue avec une manette 360. Parce que c'est plus simple d'utilisation. Hein. Je me rappelle, avec le PC, je galérais vraiment beaucoup. Welcome to... Eh oh! Long Night Camp, Crossroad of Dreams. D'accord. Le passage des rêves, en gros. Hein. C'est ça. J'aimerais bien lâcher le truc, mais après, je me dis qu'on va rien voir du tout. On va éteindre le briquet 2 secondes. Là, si je le rallume ici. Eh oh. Ah! Déjà? Madame? Faut que je cours, c'est ça? Mais où? 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 Très bien, ok. On va se la refaire, je crois. Je dois courir par où? Ah, oh! Ah non, très bien. Ok, c'est bon, je vois où je suis. Je peux passer? Pas du tout. Allez, madame, montrez-nous vos boobs. Et après, on se casse. En mode voyeur, vous voyez. Des boobs! Je cours! Tu m'as vu, je cours! Allez, dépêche-toi, mon coco. Bon, j'aimerais bien savoir par où est-ce que je dois courir. Ok, très bien. Ah d'accord. On va continuer en haut, juste... Ah, de la lumière. La lumière. C'est quoi ça? Ah, ok, c'est pour se cacher. Ah, j'ai eu le réflexe d'appuyer sur la touche A en plus. Ok, au revoir, madame. Je peux m'en aller, c'est... Mais c'était quoi ce délire? D'où elle sort cette cinglée? On dirait qu'elle s'est heurtée à ce symbole avant de disparaître. Le proprio avait raison, la légende de Wakanda est réelle. À ce qui paraît, c'est quoi ça? Wolf Pass. Passage du loup. Faut que j'aille où exactement? Attendez, si j'appuie sur Start. Donc ok, j'ai ça et j'ai le briquet. Donc c'est la ventoline. Ça m'emmène où si je vais par là? Ah, écrit quoi là? Taux de passe. Le passage des champignons, très bien. Grosse ambiance chez eux. Génial. Un crâne. De loup, attends, je peux rallumer le briquet, merci. Faut que j'aille où? C'est quoi ça? Cela fait des années que Monsieur Griezmann vient rendre visite à mes parents, mais il ne nous a jamais invités chez lui, donc ça c'est Monsieur Griezmann. Ok, bon, on le retiendra pour la prochaine fois. Encore un truc de loup. Si j'appuie sur Select, ça fait rien du tout. Je me fais enculer comme il faut. Alors attendez, c'est quoi ça? Sanitaire. Non, pas ça. Ah! Non, 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 non! Tu ne mourras pas! Appuie! Oh my god! Oh my god! Espèce de petite connasse! Bon, ça, j'ai. Je me rappelle dans la démo, on courait, mais genre 2 secondes, on avait vraiment plus de souffle. Là, je commence à. Là, ça va un peu mieux, on va dire. Office. Bon, je pense qu'il faut aller à l'office, hein, tout simplement. Vu qu'on est nouveau dans ce camping. Putain, c'est où? Vous croyez que c'est par là? Ouais. On va voir. Allez, d'accord, en bas il y avait le parc de jeux avec la meuf. Très bien. Si je vais là, il y a quoi? Je peux y aller? La porte est fermée, j'aimerais avoir la clé pour découvrir ce que cache ce proprio. Peut-être que j'en apprendrai plus sur la légende du Wakanda. Très bien, et si je vais là, il m'ouvrira pas? La porte est fermée, ok, très bien. En fait, c'est pas du tout par là, je me suis fait bien baiser sur le coup. Allez, descends, mon copain, descends. En fait, on va monter. Mais cette fois, on va pas. Putain, j'ai l'impression de l'entendre, c'est chiant. Enfin non, c'est pas chiant, c'est stressant, ça fait du bien, un jeu qui fait stresser pour une fois. On va monter. What? Je peux allumer mon briquet? Merci. Ok, en fait, ça sert carrément à rien. Je sens la peur grandir en moi et je commence à perdre le contrôle, je dois trouver quelque chose pour me calmer. C'est quoi? What? Elle bouge avec moi, regardez. Yeah. Oh non, mais c'est trop flippant. Ah! Oh putain, c'est moi. Alors, Asha était une jeune amérindienne qui un jour tomba grièvement malade. Son corps fut pris de convulsions et son esprit se mit à le délirer. Le chaman de la tribu, qui était également son amant, inquiet pour les siens et incapable de la soigner, s'était mis dans la tête qu'il fallait brûler le corps de la jeune femme pour éviter que le mauvais esprit s'en prenne aux proches d'Asha, à commencer par lui. Dans la hâte, un bûcher funéraire fut monté et la jeune fille, placée par deux valeureux guerriers recouverts de cendres,
pour se protéger des mauvais esprits sur l'extrémité de la construction. Stick gauche pour un, ramasser le journal d'achat. Attends. Moi je vous laisse lire, hein. Les proches d'achat, rien. Je vous laisse lire, hein. Vous mettrez pause. Oui, je l'ai ramassé. J'ai peur qu'elle arrive là, l'autre truc du cube à la Wakanda, du coup. Wakanda, Wakanda. Et petit tonnerre! Bref, attendez, je vais voir un truc par contre. Interagir combiné, sectionné, option RTR, mais voilà. Vidéo, luminosité, voilà. Je vais augmenter la luminosité parce que vous devez pas voir grand chose. Ah d'accord, ok, c'est pour ça. On va le mettre à 63, on va dire. Ah, c'est bon, ça l'a fait, oui. Allez, start. Ah, bah on voit un peu mieux quand même. Ah! Salope! Oh putain, la con! Oh! Bon, bah on va continuer par là, je présume. J'étais pas encore allé? Non, c'est bon. Mon pauvre Kermit, toujours aucune princesse pour t'embrasser. Oui, mais non. Donc ça c'est quoi? Ça c'est... Selon le proprio, ce symbole permet de protéger nos souvenirs. Sauvegarder. Ah! Ok. On va sauvegarder, hein, du coup, pendant qu'on y est. Ok, lundi 16 août 98, donc je vous laisse lire. Je prends la plume pour m'adresser. Ok, donc apparemment, le... Alors, visiblement, les autres ne sont pas là, mais j'entends le son de mon Tokiwoki. Où est-il? J'ai du mal à le localiser à cause de tous ces bruits parasites. D'accord. Donc, ah bah, on se retrouve dans la maison de la démo, donc c'est-à-dire dans le début de la démo, voilà. Le trou, j'ai pas trop envie d'y regarder encore. Donc on va déjà regarder les posters. Donc oui, je disais, ben je sais plus. Je me souviens du jour où j'ai bien voulu aller voir ce film avec Dewey. Il nous avait pris en photo pour immortaliser l'événement. Dewey, rappelez-vous, hein, c'est le plus jeune, enfin on a vu dans la vidéo d'introduction, du coup c'est le plus jeune des personnages. Diego a l'air mort, pauvre bête, Dewey ne va pas s'en remettre. Ah, pauvre Diego. Je vais nous manquer. C'est quoi ça? Un morceau de la carte de Long Night, je devrais la prendre avec moi, on sait jamais. Oui, alors par contre, on va tout de suite regarder où est-ce qu'on est. Donc Wolf Pass, Toad Pass, donc on est là. Ok, attends, y a... on est au. Bon, vous voyez Toad Pass, on est l'espèce de truc là. Il est... y avait l'espèce de grand totem qui nous. Qui faisait les mêmes gestes que nous. Enfin bref, on est là. Alors, appuyez sur le bouton Select pour afficher la carte. 1, 2, 3, oh là là. Ah d'accord, donc là on a une carte donc avec les passages. Ouais, ça fait grave à la Silent Hill en fait. Donc il y a les passages où c'est qu'on peut pas passer qui sont barrés, marqués par une croix ou marqués par. Gribouillé. Et d'accord, par contre on sait pas vraiment où on est, on va se repérer comme ça. Le mug de Dana, il est écrit tu ne me connais pas si tu savais comme j'en ai envie. Bon pauvre. Hop là, là il y a quelque chose. Ah, je suis plutôt fier du logo que j'ai dessiné pour notre groupe. C'est beau, tu es un artiste. Ce jeu est vraiment bizarre, je me demande s'il a toujours été dans le chalet. Ou l'Easter Egg de ouf. Bon, vous avez remarqué, c'est la tablette du Jumanji. Hein, là, si on la pile dans la face, là, boum. J'aimerais bien jouer et avoir des rhinocéros dans le chalet, histoire de péter la gueule à Wakanda. L'endroit le plus confortable de toute la pièce, mais aussi le plus gardé de Dean. Et Dean, je crois que c'est nous. Hein. La télé. Couper le son de la télé. Ah, d'accord, ok, je me disais, j'entends des bruits, mais en fait, c'est juste la... le Tokiwoki, je pense. Elle est cassée depuis que Dean s'est énervé sans raison sur la poignée. Ok, très bien. Putain, ils sont stressants ces bruits de... Prendre le recharge d'inhalateur, oui, si tu veux. Je peux utiliser mon inhalateur pour me calmer. Start pour afficher l'inventaire. Angoissé. Ah oui, d'accord, je suis carrément angoissé là. Interagir, combiner. Interagir. Ok. Mon inhalateur, il m'a toujours été utile dans les moments de panique. Utiliser inhalateur. Ah. C'est bon ? Ça a l'air. Stressé, d'accord, je suis juste stressé. Stressé, pardon, je suis pas stressé. Je me sens mieux, c'est comme si mon angoisse était retombée subitement. La drogue, man, la drogue. Ah, une porte, allons-y. Donc la radio, si je l'enlève. Éteindre le poste, oui. Ah non, d'accord, c'était le poste en fait qui faisait tout le bruit, ok, très bien. Donc le Tokiwoki, on sait pas où il est. J'aime beaucoup cette image. Face à elle, je me sens à la fois tout puissant et complètement démuni. Monsieur Volker est venu me l'offrir au début de l'été. Et oui, c'est clair. Qu'est-ce que tu m'offres, toi? Ce groupe déchire. J'aime sentir ma rage se dissiper en écoutant celle du chanteur s'exprimer. Undorn. Ça fait référence à un groupe de métal.
Ah non, Uncorn, bah Acorn, tout simplement. Si ce jeu ne m'abuse. Enfin, j'ai entendu comme quoi il y avait un truc comme ça. Bon, bref. Dewey pense qu'ils l'ont fait, mais je suis persuadé que Jean en dit beaucoup trop pour être sincère. Donc en fait, t'es pas Jean, ouais, parce que sinon tu parlerais pas de toi comme ça à la troisième personne. Ah, je sais que normalement il y a un truc là comme dans la démo. Voilà. J'ai toujours voulu savoir ce que Dana cache dans cette valise. Ouvrir cette valise ? Ah oui. Je le crois pas. Elle a volé la clé du proprio. À la connasse. Prendre la clé du proprio, oui. Un string de Dana, j'ai bien envie de le prendre. Prendre le string de Dana ? Oh putain, ouais. Oui. Je suis devin. Peut-être que je peux en apprendre plus sur ce qui nous arrive en fouillant la maison du proprio. C'est lui qui m'a raconté cette histoire de Wakanda et conseillé d'aller voir le chaman, la chamane. Ça pue du cul cette affaire, là. Ça pue vraiment du cul. Bon, ben ma foi. Donc on a éteint tous les sons, là il n'y a plus rien à ramasser, le canapé... Oh, tu en vois, de toute façon, on va allumer ça, ça va vous faire un petit peu plus de lumière. Et si je regardais par le trou? Quoique, je regarderais bien par le trou, mais... Bon allez, je vais sauvegarder. Puis on va regarder par le trou, juste pour le kiff, d'accord? Je ne vais pas m'en aller avant d'avoir trouvé le Tokiwoki, c'est ma meilleure... Ah, là, toujours pas trouvé. Problème. Alors il est où? Ah si, j'ai entendu... Chut. Eh oh. Ah bah voilà. Ramasser le Tokiwoki, oui. Il fallait regarder deux fois le canapé, d'accord. Bien... Hein? Peut-être bien qu'un jour cette place sera la mienne. Oui, mais encore. Bon voilà, en tout cas on a trouvé le Tokiwoki. On va... Quelqu'un, s'il vous plaît. Allô, Dewey, c'est toi? Est-ce que tu me reçois? David, je suis content d'entendre ta voix. Moi aussi, il se passe des trucs de fou, une cinglée m'a... Ah Dewey, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'eau partout, il vient droit sur moi. Quoi? Le cinglé t'a trouvé? Cours, Dewey, cours! J'ai trop peur, je n'y arriverai pas. Voilà. La voix off, par Jerry Walk. Si je... Bon, bah, on va aller sauvegarder, du coup, il y a le sauvegarde. Dewey a besoin de moi, mais je devrais aussi enquêter sur le rôle du proprio, très bien. Sauvegarder, oui. C'est bon, ça a sauvegardé, vous croyez? D4 cabine, 11h23... Mais c'est ça, il est 11h23 quand j'enregistre, oui. Je fais pas encore le jeu de nuit. Parce que là, j'en profite tant que je suis tout seul chez moi, etc. Donc, on va aller faire la petite surprise, on va aller voir dans le trou ce qu'il peut y avoir. Putain, c'est flippant. Oh, la baignoire, ok, d'accord, c'était censé être une salle de bain. Je me demande à quel point ce truc est profond. Dean prétend que ça mène directement en enfer. Peut-être qu'il a raison. Observez attentivement. Oui. Regardez intensément. Oui. Fixez l'abysse. Oui. Ok, très bien. Allez. C'est tout pour aujourd'hui. C'était la petite surprise de la fin, là, de mourir d'un coup comme ça. Bon, allez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager tout ça, là, et à aimer si t'as kiffé la vidéo, évidemment. Et comme ça, on va en avoir plus et poursuivre un petit peu tout ce let's play. Allez. On se retrouve pour la prochaine... À la prochaine... Bon, je sais pas c'est quand. Oh, bon. Allez. Mouak.